بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 20 sur le cours des polynômes niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. On considère le polynôme P de x tel que P de x est égal à x cube moins x moins 6. Petit 1, montrer que 2 est une racine de P de x. Petit 2, déterminer A, B et C tel que P de x est égal à x moins 2, facteur de AX au carré plus BX plus C. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Petit 1, montrons que deux est une racine du polynôme P de x. Deux est une racine de ce polynôme si et seulement si quoi? Oui, si et seulement si P de 2 est égal à 0. C'est-à-dire l'image de 2 par la fonction polynôme P est égal à 0. Donc je vais chercher cette image. P de 2 est égal à 2 au cube moins 2 moins 6. J'ai tout simplement remplacé x par 2 dans cette expression mathématique. C'est-à-dire P de 2 est égal 2 au cube c'est 8, moins 2 moins 6 c'est moins 8, et 8 moins 8 c'est 0. Donc, effectivement, 2 est une racine de P de x. Maintenant, petit 2, déterminant A, B et C. Donc, je vais choisir la méthode de la division euclidienne. Je prends P de x et je la divise par x moins 2. On a P de x qui est égal à x au cube moins x moins 6. Et je vais la diviser par x moins 2. Puisque 2 est une racine de ce polynôme, donc x au cube moins x moins 6 est divisible par x moins 2. Donc je pose ici x au carré, donc x au carré fois x c'est x au cube. X au carré fois moins 2 c'est moins 2x au carré. Je calcule cette différence, donc ça donne 0 moins x plus 2x au carré. Et puis je descends moins 6. Donc, je vais chercher le nombre par lequel je vais multiplier x moins 2 pour obtenir 2x au carré. Donc, ça sera bien sûr 2x. Donc, je vais écrire ici 2x. Oui, c'est ça, c'est 2x. 2x fois x. C'est 2x au carré. 2x fois moins 2, c'est moins 4x.
Je continue. Je vais commencer, je vais faire cette différence. 2x au carré moins 2x au carré, c'est 0x au carré. Moins x moins moins 4x, c'est moins x plus 4x, c'est 3x. Donc j'aurai ici 3x, puis moins 6. Je cherche maintenant le nombre par lequel je vais multiplier x pour obtenir 3x. Donc c'est 3. 3 fois x, c'est 3x. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Et cette différence donne 0. Donc, x au cube moins x moins 6 est égal à x moins 2, facteur 2 de x au carré plus 2x plus 3. Maintenant, si je veux chercher A, B et C, je vais dire ici et comme x au cube moins x moins 6 est égal à x moins 2 facteur 2 ax au carré plus bx plus c. Alors, ces deux facteurs sont égaux, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c est égal à x au carré plus 2x plus 3. Donc, les coefficients des monomes du même degré sont égaux, c'est-à-dire a est égal à 1. Je fais comme si j'ai ici 1. B est égal à 2 et c est égal à 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourg Zeitoun, Marrakech. À très bientôt.